La communauté Emmaüs du relais Kéruon pour décor, une caravane pour résidence et trois jeunes en situation d'échec mais qui vont tout faire pour sortir la tête de l'eau. Voici l'ambiance qu'a choisi Servane de Jam pour son premier moyen métrage, Bryce Coast. Oui, une histoire particulière, bon, qui traite un sujet de société mais qui est aussi actuel. Et ces trois jeunes, moi je suis issu de la DAS, eux ils vivent encore chez leurs parents et on va rester au sein de la communauté, ils vont devenir bénévoles, moi je suis compagnon. J'habite d'ailleurs dans cette caravane qui est juste derrière moi. Et on s'en sort parce qu'on va vouloir monter un groupe de musique. L'histoire prend vie à Brest grâce à la co-scénarisation de Mohamed Fekran. Servane doit aller voir Sarah. Il m'a dit, moi ça m'intéresse de le faire, et pourquoi on ne le tournerait pas à Brest? Donc du coup on a travaillé pendant 4 mois dessus. 4 mois de préparation juste pour réadapter les décors, sinon il y a 4 ans de prépa. Et le tournage doit s'adapter tout le temps, car le site de la Fondation continue de vivre et c'est peut-être le lieu idéal pour retranscrire cette seconde chance pour trois jeunes, entre humour et dure réalité. Il faut toujours le prendre au premier degré, parce qu'il ne faut pas en rire trop, parce qu'on n'en rit pas trop dans le film. On en rit de temps en temps et ça fait du bien d'en rire de temps en temps. Et c'est un peu des faits réels pour moi. J'ai voulu faire une école de réalisation et puis j'ai pas pu parce qu'en fait je vis qu'avec ma mère. Et qu'il faut deux garants pour un prêt étudiant. Mais je me suis mis sur YouTube. Donc je me dis heureusement qu'il y a toujours une issue de secours. Donc c'est... Fin de tournage prévue ce vendredi et restez attentifs à la programmation du film court de Brest cet automne. Il se pourrait bien que l'on y retrouve Bryce Coast.